Hello tout le monde, c'est Chip. Aujourd'hui, on va terminer en fait la suite de tutoriels de la Redstone que j'avais commencé. Et donc, on va commencer par le générateur de monstres. Et donc, le générateur de monstres, c'est quelque chose qui va pas être facile à créer. Et c'est pour ça que j'aimerais terminer cette suite de tutoriels qu'il faudra faire. Alors, tout simplement, vous allez sélectionner. Je pense que ça sera suffisant comme bloc. Ah non, j'ai oublié. Ceci est du sable. Voilà, donc en fait je vais surtout vous expliquer un peu le système. J'ai un peu supprimé ma carte du générateur, mais je m'en souviens très bien comment faire. Donc bon, tout d'abord on va un peu faire l'emplacement du bouton. Voilà, donc imaginons que la salle elle est ici. Voilà, la salle où les gens spawnent. Voilà. Et ou pour lancer la manche. Voilà, donc ici sera le bouton pour lancer la manche. Ensuite, on va faire juste descendre le courant. Bon, je pourrais faire ça comme ça. Hop là. Donc on descend le courant comme ceci. Jack. Hop là. Ici, on va faire en fait une petite descente toute simple. Ça, on peut supprimer. Ensuite. Jack. Voilà, on redescend jusqu'à ce qu'on arrive tout en bas. Ce sera tout en bas qu'on aura notre système. Donc faites ça jusqu'en bas, comme je fais en ce moment. J'essaie de faire ça assez rapidement parce que le tutoriel va durer vraiment assez long. Et surtout comme j'ai plus d'exemples à côté de moi, et ben je peux plus vraiment savoir comment faire. Enfin, je m'en souviens assez bien, mais bon, c'est pas tout à fait facile s'il y a des problèmes. Et donc, faudra utiliser un peu son cerveau. Alors, et là, tchac. On est presque au bout. Ici. Ça en détruit encore. Voilà. Donc bon, après moi pour le premier générateur de monstres, enfin de zombies que j'avais fait pour la map, j'avais fait tout en bas, mais bon là ça change rien. Tant que ça fait descendre en fait le courant. Donc check. Puis là c'est bon. Ici, et voilà. Donc là on peut faire un petit circuit et je vais bien vous montrer que ça marche. Donc alors check, je fais juste une RF dans latch, je crois que ça s'appelle comme ça. Enfin une mémoire. Plutôt, et je vais activer le bouton et vous verrez que l'autre partie, la partie éteinte, sera éteinte. Donc j'appuie sur le bouton et voilà. Ouais non, ça va pas marcher comme ça. Voilà. Donc normalement ça va. Ouais. Ouais, attendez pour la RS Norlatch. On va faire dans l'autre sens plutôt. Même si ça change rien. Là, elle est allumée. Bizarrement, pourquoi? Ah voilà. Okay. Jack, elle est éteinte. Et bon. On s'en fiche. Bon, je vais trouver une meilleure solution. Regardez, comme ça, la RS Norlatch, elle est juste. Parce qu'il faut obligatoirement qu'il ne doit pas y avoir deux courants rouges sur le même. Donc, check. Voilà. Donc la partie noire va s'allumer quand je vais appuyer sur le petit bouton. Voilà, donc c'est assez rapide pour que ça descende. Vous voyez qu'il y a quand même un petit temps de latence, c'est pas immédiat. Et donc la partie noire s'est mise en rouge. Donc ça, on peut détruire. C'est juste pour vous montrer que ça marche bien. Et donc le système il va fonctionner comme ceci. Donc bon, je vais laisser mon inverseur ici. Et ce que ça va faire, on va faire en fait juste ici. Vous allez bien compter et bien comprendre comment ça marche. Et vous allez mettre 1, 2, 3. Non, 2, tout simplement. Hop là. Oh merde. Non, c'est pas grave. 2. 2. Et 2. Donc pour que ça fasse une boucle. Et c'est ça en fait qui va tout simplement faire passer le courant. Hop là.
Hop là, on les règle tous à 4. En fait, ici, ensuite, vous allez faire monter le système qui va en fait activer les zombies. Donc, nous, on va faire la chambre là-bas. Donc, je vais relier tout ça là. Tchac. Sauf ici, en fait, vous pouvez enlever et vous allez faire un petit tunnel vite fait dessous n'importe quel truc. Donc, on va le faire passer par ici et vous allez mettre en fait des vitres. Donc, là, je vais juste le faire monter. Voilà, donc je vais me servir de ça. Hop là, hop là. Voilà, je mets des répéteurs. Donc en fait, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va mettre un piston collant avec bah, n'importe quel bloc. Moi, je vais mettre de l'or, c'est joli l'or. Voilà, ici. Et donc, il sera tout le temps relié à la redstone, comme ça, tout le temps activé. Voilà, voilà. Donc lorsqu'on va activer, ça va faire spawner un maximum de monstres sans s'arrêter, parce que le truc va continuer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'à partir d'un certain temps, ce bloc va descendre et donc ne plus laisser passer le courant. Donc faites bien attention, mettez bien le spawner de monstres directement où le courant arrive, car il faut bien compter le nombre de délai pour un tour. Donc là, c'est facile, vous faites 8 fois... 8 plus 8, ça fait 32. Ouais, donc 32, donc ça fait 3,2. Donc 3,2 secondes. Voilà, donc là c'est tout simple. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que à partir d'ici, vous allez aussi faire partir un petit courant où vous allez faire exactement à vous de choisir. Donc 32 secondes pour faire un tour. Vous allez choisir pour. On a mis combien de petits machins? On a mis 8. Bah en fait vous faites premièrement, alors voilà, j'étais un peu brouillé. Voilà ce qu'on va faire. Donc vous devez réfléchir combien de zombies de base vous voulez que ça mette dès le début. Donc moi j'ai envie d'en mettre 5, 4 plutôt 4. Donc vous allez faire partir un courant dans ce sens là. Et vous allez vous compter, en fait, vu qu'on en a mis 8, vous allez compter 8 x 4. Bah, logiquement, ça fait... Oh là là, les vacances, ça me ramollit le cerveau. 26, je crois. Mon Dieu. Oui, c'est... Non, pas 26. 8 x 4, 32. Ouais, 32. Oh là là. Mon cerveau. Bon, bref. Donc, vous faites une petite colonne de 8. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, on peut enlever celui-là. Ensuite, vous le faites repartir dans l'autre sens. Bah, là, vous allez en rajouter un, en fait. Ensuite, tchac. Comme ça, il peut arriver là et il repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, il peut repartir ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on va en fait juste en rajouter un ici et en enlever un ici. Donc si on compte bien, ça doit faire 32. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Donc là, 9. Là, on en devrait devoir 7. Donc... 7, c'est juste... Enfin bref, ça fait 32, je suis presque sûr. Donc pourquoi parfois c'est un peu brouillé? Tout simplement parce que sinon le circuit va s'en mêler. Par exemple ici, si je voudrais faire partir le courant comme ça, ça va s'en mêler. Donc j'en ai rajouté un ici, comme ça. Donc il n'y a plus qu'à faire la boucle maintenant. Tchac. Ça va partir dans ce sens là. Tchac. Et voilà. Donc ensuite, ici, ce que ça va faire... bah déjà on va faire passer le courant. Et donc ici, vous devez faire encore une seconde boucle. Voilà, plus en hauteur, comme ça. Qui va directement activer une chose. Et donc la chose que je connais bien. Donc ce sera en fait ceci. Donc, le piston normal, il sera ici, tchac. Avec une colonne de sable. Donc le sable, ça n'a aucune importance. Enfin, ça aura une importance un peu plus tard. Et donc... ce petit système de redstone là, celui-là, on va le faire partir ici. Donc, je vais directement vous montrer. On va le faire en fait rentrer là.
Non, pas tout de suite, pas tout de suite. Vous allez le faire continuer ici. Ensuite, il va partir dans ce creux-là. Mais avant, vous allez casser ici. Et vous allez mettre, en fait, un bloc ici avec un inverseur là pour plus tard. Donc vraiment pour plus tard. Voilà, ça va l'activer. Ici, alors, on va mettre un repeater pour que ça passe le courant. Et là, on va faire descendre pour arriver dans le petit système. Et donc, si mes calculs sont bons avec mon cerveau tout ramolli, avec mon cerveau tout ramolli à cause des vacances, ça devrait faire spawner pas plus de 4 zombies. Donc, on relie, je mettrai les repeaters juste après. Voilà, et voilà. Donc, ensuite, ce système là, il va faire. On va le faire continuer en hauteur parce que ça va très vite comprendre pourquoi. Ensuite ici, on va relier tout ça. Voilà. Donc j'avais dit aussi ajouter un niveau de difficulté. Ne vous inquiétez pas, on va le faire très très vite. Donc là j'ai mis 32, donc il y a 4 zombies qui vont réapparaître. Donc on va compter ça tout de suite. Je vais faire une petite cage comme ça. En vitre plutôt. Une cage en vitre. Là. Une petite cage en vitre. Ici. Donc vraiment toute petite, hein, toute simple. Juste pour compter le nombre de zombies. En espérant que je ne sois pas trompé. Voilà, donc ça c'est juste temporaire, c'est juste pour vous montrer que ça marche. Alors, ensuite, le repeater, le dispenser, là. Tchac. Sinon, on pourrait recouvrir de laine. Voilà. Et donc, on va relier tout ça avec la redstone. Ensuite, ici, vous allez choisir à partir de combien de manches à partir de combien de manches, ça je vais le faire plus loin. À partir de combien de manches il y aura le prochain niveau de difficulté. Donc moi je pense à partir de 3 manches, on va spawner 2 zombies de plus. Voilà. Donc vous allez faire donc, une fois, deux fois, trois fois. Donc ici. Vous allez placer un repeater. Ensuite, à partir de la 7e manche, donc rajoute 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, ici. Il y aura encore un niveau de difficulté. Donc, vous placez tout ça. Vous reliez tout ça avec les petits chemins de redstone là qu'on a fait pour arrêter le courant. Voilà, ici. Et donc, ici, on va rajouter un petit délai comme cela. Qui va nous permettre de faire que le cube doré remonte un peu plus longtemps, donc à partir de deux prochains tours. Donc avant de commencer le deuxième circuit, on va tout relier avec les repeaters. Donc jack jack, je fais je suis assez voilà, ici là, on peut remettre en au milieu ici, c'est bon. Ensuite là, on peut remettre en là et là ici. Donc voilà. Ils sont tous activés, donc si on active les boutons, bah déjà je vais mettre des zombies dedans. Donc, les œufs, ils sont à la fin. Ici. Donc zombie, hop là, 64. Je vais mettre un easy. On va activer le bouton et on va voir combien de zombies vont spawner. Donc voilà, le système va faire tourner le système. Donc voilà, 2. Ah non, là ils sont 4. 5. Alors, pourquoi ça n'a pas marché? Oh, ok, je sais, j'ai compris pourquoi. Alors, j'ai oublié de vous montrer ici, il faudra faire une RS Neural Latch dans ce coin-ci. En fait, on va faire ça.
On va faire ça. J'aurais préféré faire ça sous les zombies. Mais on va faire en fait plus loin. Ouais, c'est ici. Donc faites une assez grande plateforme sous terre. Voilà. Ici. Et en fait, ce qu'on va devoir faire, bah, c'est comme pour les portes. Il va falloir que ça se désactive et que ça se réactive à partir d'un certain moment. Donc c'est pour ça qu'on va faire en fait un deuxième petit tunnel ici. Donc à partir de, bah, de certains dispensers, ça va désactiver la RS Norlatch. Donc ça, on va mettre ça. Ouais, écoutez, on va mettre ça ici. Et donc là, ça va en fait activer notre mémoire. Je sais même pas si c'est une RS Norlatch en fait. Oh, vous que les zombies là. Voilà. Et là, tchac. Là, on va pas relier. Parce qu'il faut obligatoirement que ça passe par ici. Et donc, à la base, voilà. On va replacer notre, notre inverseur pour qu'il soit activé. On va réparer ceci. Donc, petit fil de ma part. Et en fait, ici, vous allez faire partir un circuit. Donc, vous voyez, ça va mémoriser. Une fois qu'on aura appuyé sur le bouton, ça va le mémoriser. Donc, ça va le garder. Et donc, quand ça va le garder, cette torche sera allumée. Et donc on va devoir faire on va devoir en fait activer ce bouton pour que ça revienne à la normale. Donc petite info, voilà, comme ceci. Ça a activé, ouais, c'est bon. Alors vous en mettez le nombre que vous voulez. Je vous conseille de pas trop en mettre. Là c'est assez bien. Ouais, comme ça c'est excellent. Là on peut mettre la redstone. Voilà, là c'est bien. Vous le positionnez sur 4 ou 3. Voilà, parfait. Et donc, ça va activer. Dès que j'aurai appuyé sur le bouton, ça va désactiver ça. Donc, ça va activer ça à partir d'un certain moment. Non. En fait, il faut obligatoirement en mettre plus. Un petit peu plus que 12. Donc, voilà. J'ai un peu fail. Donc, 1. Que 8. Ouais. Que 16 en fait. 16. Non. Ouais, 8, faut en mettre 8, plus que 8. Donc 4, 4. Donc voilà, 9. On règle tout sur 4. Pire, même ici, on peut en mettre un. 4, 4. Là, c'est 1. On relie ça. Voilà, parce que il faut que ça fasse au moins un tour et pas que ça revienne trop vite pour réenclencher le machin. Et donc, je vais vous montrer maintenant, option easy. Comment ça va marcher d'ailleurs, là. Je vais mettre ça ici. Ici et ici, on va activer. C'est pas censé activer plus de 4 zombies. Voilà, 1. Ça fait un deuxième tour. 2. Ah, c'est trop rapide. Pourquoi? Voilà, donc ça a arrêté le système. Mais je vais juste réactiver et voir comment ça se passe. Le bah, cet endroit ici. Ah ok, en fait j'ai juste pas réglé les repeaters ici. Sur 4. Désolé hein, pour le clic de souris. Hop là. Voilà, ils sont tous sur 4. Merde, c'est pas ici. Je vais me remettre un peaceful et là, easy. On va activer le petit machin. Et donc, regardez, ça va à partir, donc là, ça avance un petit peu. Ensuite, ça va passer ici. Ça va désactiver le cube à partir de 4 zombies, à peu près. Donc, voilà, c'est là. Ça active la RS Norlatch pendant un petit moment. Regardez, dès que ça arrive là, ça arrête et ça le fait remonter. Donc ça a bien arrêté et il y a bien 5 zombies. Oula. Donc attendez que je recalcule. 8. Est-ce que j'en ai activé 1, 2, 3. Ah, mais je sais pourquoi. C'est à cause de tous les répéteurs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait réduire de 2. Parce qu'il y a environ plus. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais peut-être en enlever 3. Voilà, comme ici. Donc faut bien aussi réfléchir que ça prend 0,1 seconde.
Et donc ça prend un certain temps sur la boucle. Donc on va recommencer. Alors, je suis un easy. J'avais pas pensé, j'avais pas pensé. Voilà, alors ici. 1, 2. Je suis à 2 zombies. 3. 4. Normalement c'est censé se baisser tout bientôt. Voilà, ça se baisse. Ah, ça a juste réussi. Donc on va encore baisser de 1. Ici, tchac. Parce que ça on a invoqué. Non, c'était 4. Ça n'a pas fait plus que 4 normalement. Ouais, ils sont 5. Donc c'est bien ce que j'avais dit. Voilà, voilà. Donc j'ai bien réglé. On va faire une dernière petite tentative. Bah, vous pouvez voir qu'on peut vraiment le faire tout le temps. Donc ça, c'est vraiment un des grands avantages. Donc je vous ai montré.